Est-ce qu'il y a des gens d'extrême droite dans la salle? Ah, on savait faire des overlays à l'époque, hein. Tu la sens l'attention là? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Mitterrand. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Chirac. Bonsoir. Seront décomptés à part les deux interventions des journalistes et on... Michel Cotta, directeur de l'information. Bravo les gars, super. Super l'anti-wokisme. Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison Monsieur le Premier ministre. Boum! La plus grosse punchline de l'histoire de la punchline. François Mitterrand, qui est devenu le plus grand rappeur de toute l'histoire. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Et vous avez, monsieur Mitterrand, comme toujours, une approche romantique des problèmes économiques. C'est d'ailleurs par certains côtés sympathique, mais parfois un peu irréel. Mais dans le respect, toujours dans le respect. Vous êtes un sac à merde dans le respect. Pour ceux qui me demandent, moi j'étais pas encore né à ce moment-là. Je crois que j'étais à l'état de projet. Parce que c'est notre projet! Parce que le débat il a lieu quoi entre avril et mai? Et moi je suis né en octobre. Mes parents ils avaient baisé quelques mois plus tôt. J'étais dans le ventre de ma maman à ce moment-là. Mais je m'en souviens très bien, j'avais écouté le débat. J'avais quand même des trucs à dire et tout. Mais personne m'écoutait à l'époque. Dans la bouche de chacun, François Mitterrand il dit la cohabitation a été souhaitée par les Français, j'ai respecté leur choix. Où sont les nuances? Pardon de vous avoir interrompu. Je voudrais répondre. Vous avez entendu, il y a un politique qui a dit à un autre politique sur un plateau de télévision, pardon de vous avoir interrompu. Je propose qu'on fasse une minute de silence et de réflexion sur ce sujet. Ouais. Allez, on enchaîne avec l'islamo-gauchisme, let's go. Bon, là, on va pas y passer le réveillon. 1500 euros à TF1 ou France 2? Bah les deux, c'est la coprod, c'est la coproduction. Moi je suis heureux d'aider financièrement la télévision. Vous savez que la télévision c'est l'avenir d'internet déjà. Et internet n'est qu'un phénomène de mode et à l'avenir tout le monde retournera devant la télévision comme papa maman. Voilà, je défends l'idée que les personnes âgées doivent pouvoir avoir accès à des programmes audiovisuels, c'est important. C'est important. Parce qu'on va pas se mentir, cette campagne présidentielle elle était à chier, on a parlé que des jeunes, on a parlé qu'aux jeunes. Toute la campagne s'est passée sur internet, les candidats n'ont parlé que de climat, c'était hyper pénible. Ils ont parlé que de conditions étudiantes, ils ont parlé que des sujets qui intéressent les jeunes, sur l'insertion professionnelle, le pouvoir d'achat, la lutte contre le harcèlement, la lutte contre les discriminations, le sexisme, contre les LGBTI, enfin voilà, c'était infernal et moi je comprends, c'est la démocratie doit s'ouvrir à tous. Donc les personnes âgées, je comprends qu'elles s'y retrouvent peu dans cette vie politique, elles ne comprennent pas, elles ont l'impression qu'on leur parle pas, qu'on tient pas compte de leurs problématiques. Donc voilà, donc c'est normal. J'en ai marre, je me sens trop concerné, j'espère que dans 5 ans la vie politique me laissera tranquillement bosser. Ouais. Et puis en plus tous les candidats étaient différents, c'est tout le temps des nouvelles têtes dans la vie politique française, hein. Toujours des nouveaux visages, des gens qu'on connaissait pas avant, des idées fraîches, neuves et tout. C'est chiant. C'est normal, les gens ils perdent la boule. Moi je veux des candidats qu'on voit depuis 40 ans à la télévision. Bon, j'arrête. Quelle est la plus-value de suivre le débat avec toi, plutôt que de simplement à la télé? Bah déjà le physique. Pardon. Non, je déconne. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en train, regardez-moi ça, ils vont se serrer la main. La poignée de main est claquée. Ils ont l'air d'être souriants. Il lui a fait une petite tatte derrière le coude que l'on peut interpréter politiquement. Non, je déconne, j'en sais rien, je vais pas interpréter ça. Ça se trouve, j'ai même pas le droit de diffuser avant le tout début. Hein. Excuse-moi, TF1. Vous témoignerez pour moi au procès. On l'aime bien, il est un peu con, genre, mais comprend pas grand-chose. Il a 1500 balles pour 4 minutes hors forfait. Du coup, j'étais en lien par mail avec la responsable de la production de TF1. Je lui ai fait un mail en disant, on est d'accord, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de rediffuser sur YouTube, machin et tout. Et on est d'accord que vous allez pas me strike ni sur YouTube ni sur Twitch. Il m'a dit comment ça? Il faudra que je vous explique. En fait, vous savez, il y a des robots automatiques qui scannent Twitch et YouTube toute la journée. Et si on met un seul de vos contenus, on se fait strike. Maintenant que j'ai payé, il faut que vous disiez à votre petit robot d'arrêter d'être con. Elle m'a dit, je vais voir ça avec le digital. Ouais, ce serait sympa. $1500 pour me faire ban de Twitch, c'est un peu cher payé, je trouve. Autant montrer ma bite, c'est gratuit, tu vois. Il y a un moment. En expliquant que donc le marché européen finito. C'est pas finito, c'est Carlito. En 1990. C'est faux, c'est dans votre programme, hein. J'espère qu'on pourra parler quand même du financement des projets, parce que. Oui. À travers tout ça. Si le boulot est en bas, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Financez ce que vous voulez. Financement courant. Ouais, c'est bon, j'ai les 1500 balles de Jean Massier, c'est bon. Qui nous écoute. Quand elle parle d'augmentation des salaires de 10% et qu'il lui dit ah oui, et vous allez forcer les patrons à augmenter les salaires. Ah oui. Et elle qui fait non, mais parce que si on fait ça. Vous êtes venu pour des imitations. On est d'accord. Non, mais ils ont payé. Ils ont payé. Qu'ils en aient pour leur pognon, quoi. C'est un parti qui veut la fin de cette république. Bah oui, bah, ceci c'est dit, un adversaire. Les filles aussi. Hein. How could this happen to me? I made my mistakes. Comment s'appelle le groupe de musique des Insoumis dont fait partie Adrien Quatennens?
des batteurs, je crois, Adrien Quatennens, si je dis pas de bêtises. Après, il est juste derrière, on peut directement lui poser la question. Commencez pas à soudoyer l'invité politique de l'émission. Deux ou trois. Le public était super chaud. Hein. Oui. Tu disais Mélenchon, ils étaient en feu, quoi. Grave. Ouais, ouais, mais du coup, ça commence à se passer. Alors, je vais le redire quand même, parce que ça vaut l'importance de le redire. Il y a quand même beaucoup de personnes dans ce public qui ne soutient pas non plus particulièrement Jean-Luc Mélenchon, qui est curieux, ouvert d'esprit, et qui, voilà, on les entend aussi. Ah, ils existent. Cette chaîne n'est pas une chaîne insoumise, voilà. C'est une chaîne ouverte d'esprit, voilà. Juste financée, voilà. Financée par insoumis, mais... Financée pas du tout, ferme ta gueule. Est-ce qu'il y a des gens d'extrême droite dans la salle? Donc il y a 11 députés des Français de l'étranger qui représentent les Français de chacune de ces zones géographiques. Pourquoi la Corée du Nord est exclue? Il n'y a pas de consulat, il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de représentation diplomatique en Corée du Nord, donc tu voudrais aller voter où? Tu vas à la mairie de Pyongyang, tu dis excusez-moi, je suis français, je voudrais voter. Vous voudriez quoi? Voter. Ben, vous savez les petits papiers dans l'urne là pour... Enfin, le truc où on désigne qui c'est qui nous dirige, non? Excusez-moi, je ressors. Macron parle, je sais pas quand, à 21h, là il y a ses partisans qui sont en train d'attendre le président candidat réélu. À l'heure qu'il est, on en est là, tu vois. Donc, politiquement, j'ai pas beaucoup d'interprétations à faire de ce qui est en train de se passer. Voilà, même la musique est tiède. Pardon. Donc, tout le monde attend le président, voilà. Moi, j'attends, avec vous. Ah non, mais avec vous, c'est le slogan de sa campagne, du coup, faut pas que je le dise comme ça, parce que... C'est chiant, parce que c'est vachement générique comme slogan, du coup. Bon, bah, avec toi, du coup. Abonne-toi. T'es de 1990? Non, je suis de 1988. La chute du mur, j'étais là. Ah ouais, j'ai donné des coups de pioche, hein, avec mon hochet. Tu me diras, la salle est française et c'est pas clair quand il parle. Ah mais tu vois, t'arrives même pas à écrire, toi, c'est encore pire. Pourtant, je te dénie pas ta nationalité. Excuse-moi, tu t'es pris une balle, elle était tentante en même temps. La bavure du streamer. Non, non, vous désabonnez pas, hein. Bah, j'adore continuer les balles perdues. Ah mais du coup, je suis en train de chercher à t'en mettre une, mais j'en ai pas là qui me vient. Désolé, c'est nouveau chez moi. Je sais pas faire. Comment on se désabonne du gift sub qu'on a reçu? Est-ce que le sub de Jean Massier nous met sur liste d'attente de la Légion d'honneur pour service rendu à la nation? Oui. À partir d'un certain temps de subisme, vous devenez chevalier de l'ordre du mérite numérique. Des francs Massier. Et voilà, c'est ça. Vous devenez un franc Massier. Chers amis, on va enchaîner, on va passer à la séquence suivie. Alors, ah, putain. Vas-y, il a voulu. Refais les cartes, allez, les cartes blanches. On coupera au montage. Chers amis, je vous propose que nous enchaînions et que nous passions à la séquence des cartes blanches. Sur mon fil Twitter, tu peux le regarder, il n'y a pas une seule personne qui parle de politique. Ouais, ouais. Parce que tout est muté en fait. Je comprends les gens qui l'utilisent pour ça, il n'y a pas de souci. Mmh. Vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez de votre vie. Mais laissez-moi. À la place du rachat de Twitter, combien de fois Elon Musk aurait-il pu éponger la dette personnelle de Valérie Pécresse? 100 divisé par 5, ça fait combien? 25? Quoi? Non, 20. Ça fait 20. Ça fait 20. Donc 20 fois 44. Clipez ce moment, s'il vous plaît, clipez ce moment. Tu comptes la TVA ou pas? Il n'y a pas 88. Donc... Ah voilà, bah je dis B. J'ai calculé de tête, je dirais B. Donc comme dame, Adèle. Oh, moi je dis comme Usul, hein, ce calcul, moi il m'a... Non, fais pas confiance. Il m'a copié. T'as confiance en Usul? Ah oh, bah oui, là... Tu sais que les gens de gauche, ils sont pas très bons en business, hein, donc peut-être qu'ils se trompent. Hein. Le chat bah, vote réponse B à 79%, c'est les bonnes maths. Bien vaut, bien bravo, bien vaut. Bravo le veau. Bien vaut. Bravo le veau. D'où ces négociations cruciales dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas moi ça m'occupe beaucoup. Ouais ouais, on en trouve. On est super chaud pour en parler. Hein. On avait hâte qu'on y arrive. Ça, on est. Il y a trop de suspense. Et donc, mais est-ce que je vous ai parlé des... Non, mais en vrai, sans déconner, ça se passe comment, Julien Bayou? Sans trahir le secret des négos, j'ai eu Manuel Bompard tout à l'heure et j'ai dit, bah non, on peut pas se voir parce que j'ai backseat. Ah merde, je suis désolé. Non, mais alors Manuel Bompard sera invité sur ce plateau aussi. C'est ma faute. Et en plus, c'est même pas les mêmes applications en fonction des parties sur lesquelles il se parle, parce qu'il y en a, c'est WhatsApp, il y en a, c'est Telegram. Ça, c'est très compliqué. C'est peut-être le plus grand obstacle. Vous faites des zooms? C'est qu'il y a effectivement des échanges de tableaux. Sur un Google Drive? Oui, un truc tout à fait sécurisé. La preuve, il y a les journalistes qui... C'est sur un Framapad. C'est sur un Frama, d'accord. Pour ça qu'on se comprend pas. Des bisous, à demain, followez la chaîne, c'est pas déjà fait. A plus, ciao, bye. Attends, mais c'est pété la boucle? Mais nique ta race. Ah d'accord, les fichiers sont pétés, ils marchent plus. On a cassé le stream. Non mais nique la police au bout d'un moment. Bon, écoutez, salut, allez, ciao. Allez, je vais cutter comme un connard, je vais faire un cut sec.